Francis, de nous accueillir ce soir à la cité à Chaillot et de nous permettre donc de présenter notre travail. Merci à vous d'être venu écouter. Alors, il faut savoir que depuis 15 ans, nous avons travaillé intuitivement, empiriquement, et nous avons élaboré un processus de fabrication du projet à partir de ce qu'on avait à portée de main, donc notre déjà là, c'est-à-dire la lumière, l'horizon, la pente. Et donc, obstinément, nous avons travaillé sur ce territoire qui n'est pas fait ni pour la sagesse, ni pour la nuance, et qui, on peut le dire, pourrait décourager les cœurs tièdes parfois. Nous avons fonctionné un peu comme, on pourrait dire, un cinéaste qui finit d'écrire l'histoire de son film pendant le tournage, comme par le fait d'une préconnaissance des sites de ce territoire, sans en connaître ni en savoir l'issue, nous avons suivi l'arôme d'un chemin. C'est pour ça que donc, ce soir, nous allons vous présenter des projets récents, des constructions aussi plus anciennes que nous avons réalisées dans le cadre donc, de cette aventure collective et commune, dont aujourd'hui on peut dire que l'esprit de la tribu a perduré, donc à contre-jour, en contre-champ aussi et à contre-temps. Bonsoir, donc je vais commencer par le commencement, puisque je vais vous présenter un projet, le lycée Jules Ferry, enfin, plus exactement l'internat du lycée Jules Ferry, qui est un projet fondateur pour nous, puisque c'est à l'occasion de ce projet qu'on a commencé à travailler ensemble et qu'on s'est rencontrés. C'est aussi un projet fondateur parce qu'il a posé les fondements de notre travail. Alors, c'était un assez gros projet pour démarrer ensemble, qui prenait la totalité d'un îlot. En fait, cet îlot, au cours du XIXe siècle, c'était un grand parc quand la ville n'avait pas encore rattrapé cette partie de Cannes. Et c'était un parc qui s'est petit à petit transformé. Il y avait un hôtel au départ, puis c'est devenu un lycée. Et au cours du XIXe et du XXe, il a subi des transformations jusqu'à aujourd'hui, où la ville l'a complètement encerclé, où le parc est devenu un îlot urbanisé. Et donc où on a opéré cette dernière transformation. Donc voilà ce grand en îlot sur 2 hectares. Donc le programme consistait dans le remplacement d'une grande halle qui se situe ici par deux volumes d'ateliers, un bâtiment d'administration aussi qui venait agrandir les bureaux qui se trouvaient ici, et puis finalement un internat qui s'est posé là, à la place de l'hôtel, et que je développerai un peu plus ce soir. Voici les ateliers sur leur socle de parking. Et puis ce bâtiment d'administration qui dédoublait un existant. Voilà, et enfin une vue de cet hôtel qui était malheureusement voué à la démolition. Alors, comme il fallait le remplacer et construire un internat à la place, on s'est posé la question de venir refermer la cour complètement, enfin, ce qui était un petit peu un réflexe d'architecte, d'essayer de reformer un cloître sur cette cour. Et puis finalement, on a fait confiance à cet hôtel, on a fait confiance à son implantation qui était née au départ par rapport à un grand paysage. Et donc on a décidé de jouer sa partition et de venir remplir la totalité de son volume démoli par un nouvel internat. Et à la répétition des percements de l'ancien hôtel, on y a substitué une grille de refend et de dalles, une grille assez large de 6 mètres. L'idée, c'était de faire oublier l'idée même de la chambre, que finalement la projection de cette grille en façade qui forme des brises-soleil fasse un peu oublier son contenu programmatique, quelque part pour que un jour ça puisse devenir autre chose, se transformer en bureau ou en logement, ou pourquoi pas redevenir même un hôtel.
voudrais d'ailleurs revenir sur, sur ces hôtels qui ont grandement et continuent à grandement influencer notre travail, ces grands hôtels de la Belle Époque, parce que pour nous, c'est vraiment des pionniers de la construction dans la pente. Au 19e, donc à la Belle Époque, ils sont venus coloniser les collines, parce qu'il y avait la vue, il y avait le calme, on était loin de la ville. Et donc quand on a commencé à travailler sur ce territoire du Sud, on a cherché des modèles de densité du Sud. Et alors bien sûr, il y a les villages perchés de la RPI niçois, mais il y avait surtout ces hôtels qui pour nous étaient vraiment des modèles, des archétypes par la pérennité déjà de leur structure, puisque d'hôtels au 19e, ils sont devenus résidences de logement après la guerre. Je parle vraiment des hôtels situés sur les hauteurs, pas ceux en bord de mer. C'est aussi des bâtiments intéressants de par la répétitivité de leur percement. Et puis, ce dispositif qui est immuable, vraiment, dans leur typologie, qui est de mettre les pièces nobles, donc bien entendu, vers la mer, de les projeter vers le grand paysage, et de placer tous les locaux de service et la distribution, qui souvent est aussi par coursive, à l'arrière. Et ça, je pense que c'est aussi un point important dans la flexibilité, finalement, et l'adaptabilité qu'ils ont eue pour devenir plus tard autre chose que des hôtels. Et d'ailleurs, cette façade arrière, alors là, je vous montre celle du Riviera Palace à Beau Soleil. C'est un travail absolument incroyable qui met en relation la façade arrière de l'hôtel, les coursives, avec le relief et la pente, avec la roche mise à nu. Et pour nous, on a eu la chance d'avoir nos bureaux dans ce très beau bâtiment. Et c'était vraiment une leçon pour nous de voir à quel point cette façade arrière avait été travaillée, peut-être même plus que la façade avant, et qui donnait vraiment une qualité et qui intégrait complètement ce projet dans la pente, dans la topographie. Et un dernier mot pour dire que au début, ils se sont implantés sur ce territoire qu'on pourrait appeler un territoire du vide, où il n'y avait rien, c'était la nature. Et petit à petit, la ville a rattrapé ces hôtels, comme à Signé ou à Beau Soleil. Et à partir de ce moment-là, ils sont vraiment devenus des générateurs urbains. C'est eux qui ont donné la règle de ces quartiers à venir. Et il reste encore aujourd'hui, d'ailleurs, des repères dans la ville. On va rester dans cette idée d'urbanité, d'urbanisme collinaire, avec ce petit immeuble de logements, de 7 logements qu'on a réalisé à Beau Soleil. Donc Beau Soleil, c'est une ville entre mer et montagne qui développe un urbanisme caractéristique de ces régions en pente, avec des... Alors on n'a pas d'îlots à proprement parler, mais c'est des bandes très fines de construction qui sont bordées en amont et en aval par des voies qui serpentent d'est en ouest. Et à ce réseau vière vient se superposer un réseau d'escaliers nord-sud qui irrigue tout le site. Alors on les distingue un petit peu ici, et c'est vraiment extrêmement caractéristique de ces villes du sud. Et ça donne, alors j'ai une photo qui est assez moyenne, mais ça donne vraiment à ces villes, à ces sites, tout leur caractère assez vertigineux, atmosphérique, et ça les met en relation avec la nature, avec en plongée vers la mer ou en contre-plongée vers la montagne. Mais c'est vraiment un système très, très intéressant de circulation piétonne. Alors voilà le site tel qu'on l'a trouvé, un site en pente. Donc comme on est dans des parcelles très enclavées, on essaie de faire des remblais, des blés à peu près équivalents pour ne pas sortir de matériaux du site. Et puis comme les parcelles sont exiguës, on ne peut pas enterrer de parking, donc on les met en superstructure, un petit peu comme des fondations surélevées, sur lesquelles, là, on a posé deux niveaux de simplex et deux niveaux de duplex. Avec, bon, la leçon des hôtels, les pièces nobles, on pourrait dire les salons, qui donnent sur le sud, vers la vue, avec une grande façade qui s'élève comme vers le grand paysage. Et en façade arrière, par contre, une fragmentation des volumes pour se mettre à l'échelle des constructions environnantes et aussi de cette distribution en amont. Voilà, donc c'est un plan très simple de pièces à vivre qui s'articule autour de noyaux humides.
et une distribution parcoursive. Alors juste un mot sur cette distribution parcoursive qui est intéressante. C'est Beau Soleil, en fait, c'était le dortoir de Monaco. À l'époque, quand Monaco s'est construit, c'était des immigrants italiens qui venaient, qui construisaient leurs petits immeubles sur la pente à Beau Soleil. Et c'était des immeubles à coursive, où la coursive passait devant tous les appartements, faisait aussi office de balcon. Donc ça, c'est une typologie qu'on a réinterprétée dans un projet que Bita vous présentera tout à l'heure, mais qui est vraiment une référence aussi pour nous importante. Voilà, au niveau des duplex, on peut monter sur la toiture par un système d'escaliers droits qui reprennent un peu cette scénographie. Voilà, un moment qu'on aime beaucoup, c'est la fin du gros œuvre. Voilà, on essaye de faire tendre nos projets vers des projets de gros œuvres, de minimiser le second œuvre. C'est pour ça que c'est un moment assez émouvant pour nous. Parfois, on voudrait même que ça s'arrête là, ça nous irait bien. Donc voilà une vue de cette ville verticale. Donc cette photo a été prise en 2004 ou 2005. Donc depuis, ça s'est fortement densifié, puisque maintenant les limites d'urbanisation sont claires et la ville ne s'étend plus, heureusement, mais elle se reconstruit sur elle-même et donc se densifie petit à petit. Et donc on a ce type de chandelles, voilà notre projet, qui apparaissent petit à petit dans la pente. Parfois de façon assez chaotique. Donc on a décidé d'avoir une façade très simple avec un module de base qui passe de façon indifférente devant les duplex qui sont ici, ou les simplex, ou même les niveaux de parking, avec un même système d'occultation. Et finalement, l'idée de ce module, c'est que peu importe ce qui se passe derrière, finalement, si on respecte la trame et son remplissage, l'intégrité du bâtiment sera conservée. Et comme ça, on peut essayer de gérer cette instabilité programmatique qu'on a souvent sur ces projets. Enfin, je ne parle même pas du temps des études, mais du temps long du projet, où là, par exemple, je vais vous montrer ici, le promoteur a décidé, sans rien nous dire, bien entendu, de construire un studio à la place de quelques places de parking, mais il a respecté la règle, voilà, ce qui fait que le bâtiment continue d'avoir une façade, une structure pérenne et décente, je dirais. Voilà une vue des appartements où les persiennes coulissantes et les châssis vitrés peuvent disparaître dans un galandage pour ouvrir complètement ces appartements vers la vue. Là, on quitte le sol, on est vraiment dans une position atmosphérique et le regard s'aimante vers cet horizon marin qui est extrêmement présent. C'est aussi ce contre-jour, donc c'était le titre de cette conférence, mais ça crée vraiment, en effaçant ce premier plan, ça crée un véritable tableau, quoi. La vue devient un cadrage. On est dans une zone d'urbanisation continue, donc un jour il y aura un autre bâtiment qui viendra ici. On a voulu que dans ce laps de temps, ce pignon soit traité comme une véritable façade. Donc on a travaillé cette rupture d'échelle entre la petite échelle sur rue et la grande échelle vers le paysage. Et puis puisque on travaille sur les archétypes, on a aussi travaillé sur la matière et donc on a réalisé un enduit à la chaux, tout ce qu'il y a de plus traditionnel en façade. Comme souvent dans nos projets, on investit la toiture. Et là, dans ces terrains en pente, c'est difficile d'avoir des extensions extérieures, donc on les fait en toiture. Et puis, c'est aussi, investir la toiture, pour nous, c'est aussi donner de l'usage supplémentaire. Mais quelque part, c'est aussi rendre à la vue ce terrain qui a été subtilisé par la construction. Bonsoir. Alors, en 2006, nous gagnons des logements sociaux BBC dans un quartier populaire à Cannes. Dans ce secteur, la voie ferrée, ici, longe la baie. Du coup, l'ensemble de ce quartier est totalement coupé de la mer. Alors, c'est un quartier en pleine mutation aujourd'hui, puisqu'on y voit pousser des immeubles privés, du logement social,
sans véritablement de schéma directeur, mais un peu au gré des opportunités foncières. Et puis parce que je pense que le terrain doit y être moins cher. Alors avant, dans ce quartier, vous voyez, il y avait aussi... c'était un quartier fait de petites maisons avec des jardins. Et on appelait ça des maisons à poules, c'est-à-dire des maisons sur lesquelles... qui étaient sans fondation, qui venaient se poser sur le sol directement avec une dalle, le sable et l'eau n'étant jamais très loin. Ici, voilà, c'est la rue dans laquelle se situe la parcelle de notre immeuble. En face, comment dire, un immeuble standing, le dress code habituel. Et là, ces petites maisons qui s'implantent perpendiculairement à la rue, avec les jardins qui commandent les unes les autres, en continuité avec l'espace public. Ici, les gens mettent encore leurs chaises sur le trottoir pour converser. Alors, c'est vrai que, voilà, quand on voit cette image... on voit bien qu'on a un peu gagné ce concours sur un malentendu. C'est-à-dire qu'on a invoqué l'argumentaire HQE, mais au fait, ce qui nous intéressait derrière cette histoire, c'était comment réinterpréter dans une petite densité les modes de vie méditerranéens. Alors, le principe est simple, hein. Des coursives qui sont comme des trottoirs surélevés, qui prolonge une promenade urbaine jusqu'au pas de la porte, un bâtiment compact avec des logements flats sur les étages courants, et puis des duplex en attique qui s'ouvrent vers le ciel. Comme vous pouvez le voir sur la coupe, un parking semi-enterré, ouvert à la lumière, à l'air. Nous avons traité donc l'ensemble de ces dispositifs autour de ce bloc compact et isolé qui est une simple grille fermée par des baies vitrées toute hauteur et cette structure qui est composé de coursives et de jardins d'hiver, et aussi de loggias, qui sont autoportants et désolidarisés. Ça nous a permis aussi d'économiser les rupteurs de pont thermique. Donc les logements sont tous traversants. On y accède comme dans une villa, avec un système de seuil, une petite passerelle, un jardin d'hiver... Et un bloc humide ici permet d'articuler le séjour et la chambre. Des portes coulissantes permettent de fermer ou ouvrir au gré de l'utilisation. Et puis un système de dispositifs de filtre qui aussi amène l'utilisateur à pouvoir régler son rapport avec l'intimité, avec la lumière et puis avec l'air aussi. Alors c'est vrai que c'était assez inhabituel parce que d'habitude les bailleurs sociaux, les maîtres d'ouvrage refusent de prééquiper les appartements. Alors on a pu obtenir, pas sans lutte hein, bien sûr, de garder l'idée d'une bande servante et technique qui traverse les logements d'un bout à l'autre, jusqu'à devenir dans les structures autoportantes des loggias des séchoirs protégés. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, effectivement, c'est une simple grille faite qui traduit juste la structure de l'immeuble, faite de voiles et de dalles. Les murs latéraux sont des doubles voiles béton,
c'est-à-dire celui-ci et la façade de l'autre côté, qui sont des doubles murs coulés en place avec isolant à l'intérieur, ce qui était une prouesse pour l'entreprise avec laquelle on travaillait. D'ailleurs, c'est un projet très squelettique où le gros œuvre domine. C'est un bâtiment qui a un peu la peau sur les os. Et ça nous a quand même sauvé le chantier. Voilà, le projet réalisé, l'avant et l'arrière. C'est vrai que nous, on continue dans cette idée-là de ne pas céder à la tyrannie du matériau HQE, de continuer à rester dans des projets dispositifs et puis de travailler avec une façon de faire un peu artisanale, un peu low-tech, et de faire faire aux hommes ce qu'ils savent faire sur notre territoire. Et parce que cela transpire parce que l'architecture est un langage. Donc la culture, le savoir-faire transpire. Déjà, c'est la première façon de communiquer et de parler d'une culture. Et comme je vous disais, nous, on tenait beaucoup à transmettre cette idée des modes de vie méditerranéens. Alors, ça n'a pas été facile, bien sûr, parce que dans ce projet, on a été limite en tout. C'est-à-dire qu'on a été aux limites des normes, de la réglementation. D'ailleurs, le bureau de contrôle disait toujours « Vous êtes atypique, vous êtes hors référent ». Il n'arrivait même pas à trouver réellement une façon de classer et de viser parfois les plans. Donc c'était une bonne piste, finalement. Ça nous a aidé d'aller jusqu'au bout. Voilà, des systèmes de volets vitrés. Et puis, après, on avait ces persiennes métalliques. Et puis, les habitants, aujourd'hui, ont ajouté d'autres filtres des voilages. Ce qui nous intéressait, c'était toujours le mode de vie méditerranéen. C'était se dire jusqu'à quel point on peut vivre avec l'autre, jusqu'à quel point on peut sentir l'autre vivre près de soi. C'était se poser des questions sur la manière dont on peut stimuler, peut-être aussi parfois par l'architecture, l'esprit de tribu. Et puis, voilà. Donc on espère dans ces coursifs que les gens pourront continuer à se rencontrer et pourquoi pas poser des chaises et converser. Et puis ça nous a fait poser d'autres questions, de se dire, est-ce que l'amour, les rencontres, les émotions, ils ne se créent pas un peu dans l'inconfort et dans l'ambiguïté? Voilà, en 2012, nous avons gagné un pôle universitaire destiné aux chercheurs et aux étudiants en statistique et économie à Saclay. 13 000 m², un changement d'échelle pour nous, et puis un changement de territoire aussi. Nous sommes sur un plateau, le plateau de Palaiseau. Il y a du vent, c'est plat, le ciel est immense, et puis à l'horizon, il y a le bois. On est loin de la mer. Mais c'est un lieu romantique. Un peu mélancolique aussi. Bon, voilà. Pour une université, c'est bien. On peut y tomber amoureux. Alors, le programme du concours incitait fortement à mêler la vie des étudiants et des chercheurs à travers des espaces communs au sol et des espaces publics aussi. On avait un rôle très particulier à cet endroit-là,
puisque l'ensemble de ce projet est orchestré par l'équipe paysagiste architecte de Vignes et Xavier de Guetter. Et nous devions, dans un cadre d'un campus naturaliste, créer une transition entre une voie très fortement urbanisée au centre et un cadre paysager. Alors nous avons opté pour un bâtiment compact dans les étages et très poreux dans son socle. C'est une figure simple, c'est un carré. C'est pas complètement un objet et parce qu'il est percé par un vide. Ça lui confère un caractère d'îlot. Et c'est comme une figure de cloître, un peu hybride. Et ce vide nous a permis de créer une intériorité qui est un seuil pour nous, un seuil qui est en contrepoint par rapport à l'espace extérieur qui est distendu, un paysage intérieur. Nous avons placé donc les espaces communs au rez-de-chaussée. Ici, il y a donc le centre d'un petit patio cloître et sous cet élément en lévitation, on voit de loin le paysage et le bois. Voilà le plan de rez-de-chaussée, donc une grande porosité. Sur ces étages, nous avons implanté les salles de conférence, la cafétéria, les salles d'expo, tout ce qui pouvait être ouvert au public et qu'on pouvait partager. Puis on peut traverser l'îlot. La forme d'anneau nous permettait aussi d'avoir une figure aussi qui permet de, comment dire, de, d'être dans un lieu où on est unis autour de la concentration du travail. Voilà, et ils sont percés au bout par des loggias qui amènent la lumière et qui mettent en contact avec le paysage. C'est une simple grille en trois dimensions. Alors cette grille absorbe toutes les variations de spatiales. C'est très flexible. C'est une exostructure qui va de façade à façade et dans son épaisseur, on a installé tous les dispositifs, tous les filtres nécessaires aux exigences qu'on peut avoir pour tenir l'exigence qu'on a, pardon, thermique et technique. Là encore, c'est la répétition qui donne l'unité. Cette exostructure a une expression un peu arachnéenne. Et par son épaisseur, on espère garder cette relation qu'on avait aussi dans les autres projets, c'est-à-dire une zone d'échange et une perméabilité avec l'extérieur. C'était toujours pour éviter cette fameuse fatalité aujourd'hui de tomber dans des bâtiments enveloppes, dans des bâtiments où on se sent un peu dans un aquarium. Voilà une... la vue de l'espace expo sur le patio et ensuite sur le paysage. Donc en 2004, nous débutons un petit projet avec l'entrepreneur de gros œuvres de l'immeuble qu'on vous a présenté précédemment. Donc il avait un terrain. Et il a voulu retravailler avec nous. Donc, ça peut arriver. Donc, alors le site du projet, c'est une parcelle très fine hein, qui est coincée entre la route qui va de Nice à Menton, la moyenne corniche, et puis une autre route en amont. Parcelle très fine, une,
une lanière. On va dire, voilà, coincé entre donc deux routes et puis ce mur de soutènement en bas. Donc voilà, c'est un non-terrain. Et donc dans ce type de situation, donc dans la pente, on a en fait très vite des prises de position et des choix à faire qui vont d'ailleurs continuer à nous suivre pendant tout le projet. Donc ça concerne évidemment eh bien, les accès, donc accéder par le haut dans ce cas-là, puisqu'on avait, c'était impossible d'accéder par le bas, de parler de soutènement, et puis aussi donc de fondation, et puis aussi de vue, une servitude de vue qui nous obligeait à finalement nous encaisser pour garder la vue vers l'horizon depuis la route. Voilà, donc on part sur un principe donc, de logement en bande, genre d'appartements fenêtre ou appartements balcon qui sont dirigés vers le panorama et il n'y a pas de terrain donc pas de jardin. Alors on met là aussi des solariums en toiture comme on avait fait pour Beau Soleil pour valoriser le bien, inciter ce maître d'ouvrage occasionnel à nous suivre. Et puis on imagine, on met en place l'idée de filtre et d'occultation à inventer. Voilà donc à gauche, à l'ouest, des duplex qui s'ancrent dans le terrain. Et puis à droite, des logements flats, des deux pièces, posés au-dessus des parkings. Et donc, ces solariums et cette vue de la toiture, ils s'inscrivent comme en négatif vis-à-vis d'un paysage qui est assez époustouflant, à la fois très, très naturel et aussi avec des densités. Et donc ce bâtiment, il s'inscrit un peu comme un bâtiment pont, une infrastructure qui se révélerait parce que le terrain se dérobe. Et donc on met en place une trame de 9 mètres, ce qui est assez inhabituel pour du logement, ce qui permet aussi d'avoir des logements extrêmement flexibles au-dessus. Et puis la route derrière qui passe discrète contre terre, qui va se glisser dessous, le dessous. Voilà, et donc on avait installé une scénographie du paysage vers le village d'Aise, vers la mer. Et l'idée, c'était de faire rentrer l'espace public de manière naturelle, pas de clôture, on glisse, et puis voilà, on entre assez naturellement vers la résidence. Alors, avoir la vue, c'est aussi, à certains moments, s'en échapper et pouvoir s'en extraire. Et donc les logements sont desservis par une sorte de coursive en plein air qui est la continuité d'un vieux chemin existant et qui permet de cadrer à un moment le ciel. Et puis il y a des séquences d'ombre et de lumière. Et puis on retrouve aussi à un certain moment un cadrage vers la vue, vers le hameau en contrebas. On a travaillé avec une petite entreprise locale donc pour mettre au point ce principe qu'on voulait inventer d'occultation pour pouvoir se protéger. Donc ce sont des persiennes qui montent et qui descendent. En fait, le poids de l'une entraîne le poids de l'autre, ce qui fait que c'est assez léger, même si elles sont en acier. Et donc elles se soulèvent et elles habitent toute la façade. On l'a généralisé au principe de façade, ce qui permet d'avoir des façades perpétuellement en changement et en mouvement. Et donc, ces occultations protègent des logements qui, somme toute, sont très étroits du fait de la parcelle et les protègent, les rassurent même, compte tenu de la trop grande présence du panorama. Donc c'est un projet où c'est des séries de dispositifs, c'est un projet dispositif comme ces volets qui font séparatif et qui permettent d'avoir un usage particulier. Donc ce petit ouvrage d'art domestique, il met en situation, on a dit ce mot atmosphérique,
Donc avec une vue extraordinaire quand on voit les Alpes là, qui plongent dans la Méditerranée. Et donc la question de la vue, elle a toujours traversé nos projets. Donc sur les corniches qui vont de Nice à l'Italie, elles fonctionnent comme un belvédère où tournant après tournant, on redécouvre un paysage toujours renouvelé, pourtant d'une mer immuable. Et donc cette image célèbre hein, d'un glamour suranné, voilà, elle nous parle un peu de ça. Alors on parle de générateurs de vues et bien sûr les ouvrages d'art ils nous parlent aussi de cette ce sont des générateurs de vues et d'émotions. Le regard passe dessus, dessous, et voilà, il nous parle d'infrastructures, de lignes dans le paysage, de grandes portées, de franchissements. Et donc, quand les bâtiments veulent se confronter à cette réalité augmentée, eh bien, ils sont poussés vers l'audace, parce que la vue, finalement, ça pousse à créer et à imaginer donc des dispositifs pour capter le paysage ou au contraire s'en détacher, s'en protéger, s'en extraire. Et donc, je dirais que peut-être on aime plus, on cherche plus un bâtiment par son paysage, plus que par ce qu'il est vraiment. Alors, je vais vous parler d'un concours que nous avons gagné. On met des dates, alors, donc, en 2011. À ce jour, rien ne s'est réalisé, donc nous attendons les élections. Les ponchettes, sont deux barres parallèles, comme vous pouvez voir. Sur cette photo qui est déjà ancienne, qui ont été construites au XVIIIe et XIXe siècle par les urbanistes turinois qui, dans le même temps, réalisaient la place Masséna et la place Garibaldi. C'est une belle pièce urbaine qui avait pour caractéristique de servir de franchissement, donc on marchait sur les toitures, quand à l'époque, donc bien avant ça, la berge allait jusqu'au pied de ces bâtiments et de l'autre côté la vieille ville, les clochers, le cours Saleya. Donc le concours évidemment sans véritable programme incitait si vous voulez à réinjecter, à réactiver cette promenade sur les toitures. Donc nous forcément donc ça nous a intéressés parce que ça parlait à la fois à nos propres obsessions de toiture et on trouvait ça extrêmement intéressant qu'une problématique d'espace public sur un espace privé soit aussi donc de facture aussi contemporaine, soit ainsi reproposée à la réflexion. Alors, hormis la question programmatique, se pose évidemment une question patrimoniale, c'est-à-dire que ces bâtiments qui avaient été dessinés avec un ordonnancement classique ont été peu à peu colonisés, outragés, par le temps et aussi surtout par les restaurants chinois. Ce qui fait qu'on s'est dit qu'on allait prendre une posture déjà... on va dire analytique et patrimoniale. Donc on avait recensé l'ensemble des éléments, des parasites, des émergences que l'on pouvait supprimer, et notamment de libérer des arcades en pierre calcaire qui aujourd'hui étaient bouchées, murées, occupées par des galeries, et qui, pour retrouver et redonner une transversalité entre la ville et son rivage. Donc on s'est d'abord intéressé au dessous, parce que c'est un projet qui peut être lu, c'est un bâtiment, qui était lu vraiment en trois dimensions,
Et donc le dessous, c'était aussi cette rue intérieure ici, la cité du parc est devenue donc une voie de service insalubre. Voilà, donc là aussi, on voulait la requalifier. Donc c'est ce qu'on a fait, on a donc ouvert ces arcades, retravaillé l'intérieur et proposé une sorte de cahier des charges pour, au fur et à mesure de l'acte des acquisitions, nettoyer et retrouver les ordonnancements classiques. Le dessus, eh bien, les toitures, comment réinvestir? Donc on est déjà parti sur le principe de retrouver un nouveau sol, qui, donc un sol artificiel, qui venait eh bien, intégrer à la fois la question technique, aérolique, hein, la climatisation, donc recréer, dissimuler une boucle d'eau générale, et puis aussi donc, y installer un seau de loup pour éviter toute adjonction de garde-corps qui aurait enlevé une véritable, quand même une abstraction, et puis encore un élément de plus sur ces bâtiments. Et ensuite, partant sur l'idée que cette curiosité programmatique, on a jeté des passerelles, hein, comme des pontons entre les deux rives des penchettes. Et bon, ces passerelles, c'était pour stimuler l'envie de négocier des restaurateurs, donc des passerelles qui pouvaient être des supports culturels et commerciaux. Voilà en plan, donc, voilà, ces penchettes, donc, cet anneau qui d'une certaine manière, est comme un cours aléa en dessous, hein, la place qui est en bas, la place du marché aux fleurs, comme un cours aléa surélevé, retrouve des transversalités de ces passerelles qui elles-mêmes sont composées sur le rythme des arcades. Voilà, un avant, un après, où cette galerie et cette retrouve finalement, devient comme les propylées d'entrée au cours aléa ou l'antichambre de la mer. Donc sur les toitures, on marche à nouveau comme d'ailleurs Nietzsche raconte qu'il marchait sur ses toitures quand il avait écrit Zarathoustra. Eh bien, nous pouvons remarcher en regardant la perspective de la colline du château et qui est indissociable du vieux Nice et puis de l'horizon et de la vue sur la mer. Voilà, c'est quand même ça fait envie quand même. Non? Voilà, et donc, ce qui nous a vraiment beaucoup intéressé, c'est de pouvoir utiliser finalement cette question programmatique patrimoniale pour continuer à proposer de construire la ville sur la ville et de rajouter une strate. Bon, alors, puisqu'on est dans les sites qui font envie, on a gagné un concours pour une école maternelle il y a quelque temps déjà, qu'on a livré l'année dernière, et donc un site aussi absolument magnifique, la rade de Villefranche, donc pas très loin, juste après Nice. C'est un projet avec une double contrainte, on pourrait dire. La première, programmatique, puisque donc on est dans ce territoire où il y a plus de foncier, où le foncier est rare en tout cas et très cher, et donc quand on a la chance, quand les maîtres d'ouvrage arrive à récupérer, à préempter un terrain pour y faire des équipements, eh bien, se pose souvent la question d'emboîter différents programmes, comme ici, une crèche, une école maternelle, un terrain de sport pour la commune, et j'en passe, une cuisine centrale et une médiathèque. La deuxième contrainte, c'est comme il y a peu de parcelles, elles ont toujours des géométries assez compliquées, comme celle-ci, qui est une espèce de forme de fer à repasser avec une pointe très effilée, donc assez compliquée, et qui est aussi en pente dans les deux sens. Ça, par contre, c'est pas pour nous déplaire, la pente. Donc on a essayé de reclasser un peu ce programme en mettant sur la partie la plus haute du terrain la crèche et les petites sections de l'école maternelle, et au-dessus la médiathèque et les grandes sections, et enfin en toiture un terrain de sport. Et sur la partie basse, donc la partie triangulaire la plus contrainte, on y a disposé les services. Donc il y a une salle de restauration, une salle de motricité, et puis un grand préau et un parking. Et ces deux blocs de programme, donc ils viennent vraiment épouser la,
la pente, enfin en tout cas les niveaux, et donc ils sont décalés d'un demi-niveau, ce qui est assez pratique parce que ça réduit les circulations. Par exemple, pour aller de la restauration, il n'y a qu'un demi-niveau à franchir, qu'on soit en rez-de-chaussée ou en R+1. Et l'idée de ce projet, c'était bien ça, qu'un enfant puisse aller du point le plus bas, du préau par exemple, jusqu'en toiture, sans jamais emprunter un escalier. Donc on a imaginé ce système de rampe et de circulation en façade qui vient s'enrouler autour du bâtiment, un peu comme un ruban, comme une promenade qui cadre vers le paysage. Et dans l'autre sens, on avait aussi une différence d'un niveau, donc en coupe transversale, donc ce qui a permis aussi de superposer, d'avoir deux rez-de-chaussée superposés, l'un donnant vers la montagne et l'autre vers la mer, et donc deux programmes différents qui ont leur accès de plein pied depuis l'espace public. Donc la pente aussi, ça aide à résoudre des contraintes programmatiques. Donc voilà le plan du rez-de-chaussée. C'est plutôt les vides qui vont gérer, par exemple ici à cette pointe du triangle, ou bien les grandes salles comme la salle de restauration. Et puis ces rampes qui mènent doucement jusqu'en toiture. Voilà la toiture qui investit encore une fois avec un terrain de sport ici, un amphithéâtre extérieur. Donc pour l'école, mais aussi pour la ville, puisque la toiture a son accès indépendant depuis un parvis public. Voilà, c'est pas mal hein, comme site aussi. Voilà l'entrée du bâtiment, donc qui est, en fait il y a deux entrées, donc une entrée haute et basse qui sont reliées par cet escalier. Donc on est venu creuser un espace public sous le bâtiment, comme un seuil de confort, d'attente pour les utilisateurs. La façade, elle est composée de deux bandeaux en béton bouchardé qui sont entaillés dans la partie centrale par cette longue fenêtre qui accompagne donc la circulation en façade et qui se plie, qui s'infléchit au gré des différences de niveau du terrain. Donc pour échapper à cette géométrie un peu particulière, il a fallu se poser la question encore une fois de la structure, de la grande portée, pour franchir de très grandes distances, pour minimiser les points porteurs et proposer, comme ici, un préau très fluide avec seulement deux poteaux, un à chaque extrémité. Ça donne aussi un côté à ce bâtiment qui est très massif, avec ces deux bandeaux en béton qui se retournent en sous-face. Ça donne une certaine légèreté aussi par ces grands franchissements. Et puis parfois, on est venu creuser le bâtiment pour amener de la lumière dans son cœur. Voilà, travailler dans le sud, c'est se poser la question du confort d'été, donc de créer des espaces extérieurs qui soient, par exemple, tout le temps ombragés. Donc ça veut dire qu'à n'importe quel mois chaud, c'est frais. Et donc ça, c'est assez agréable. Donc pour résoudre ces contraintes de portée, on a travaillé un système de dalles alvéolaires. Donc c'est des corps creux, une espèce de boule en plastique. Finalement, c'est une dalle alvéolaire coulée en place, on pourrait dire, des bulles d'air dans une dalle épaisse, qui permet d'alléger la dalle, donc de minimiser les volumes de béton. Par exemple, sur ce chantier, on avait calculé avec l'ingénieur, on avait économisé 150 mètres cubes de béton. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas de retombée de poutre. On voulait sur ce projet faire rentrer la minéralité à l'intérieur des espaces, comme ici la restauration. Alors faire rentrer la minéralité dans le bâtiment, pour nous, c'était une réponse, on pourra développer sur d'autres projets, une réponse au monde de l'enfance. C'est aussi la minéralité entrée en résonance avec un site qui est scarifié par les infrastructures, qui est habité par ces murs de soutènement. Et puis aussi, je reprends ta phrase, Bita, faire aux hommes ce qu'ils savent faire, c'est ce qu'on a fait ici. C'est une région de maçons, les carrières elles sont toutes proches. Et donc voilà, c'est des types, ils savent couler une dalle très bien, quoi. Voilà, donc on en profite. La minéralité, c'est vraiment l'ADN de ce territoire, on pourrait dire. Et puis pour pousser toujours le bouchon un peu plus loin, on a aussi essayé de travailler l'acoustique avec le béton. Donc on a modélisé des matrices qui reprennent les boîtes que les musiciens collent sur les murs de leur studio. Donc on a fait faire ces matrices sur mesure.
qu'on a mis en sous-face des dalles et qui viennent briser l'écho. Donc voilà une section en rez-de-chaussée avec les salles de repos au fond qui sont éclairées, qui sont contre-terre, mais voilà, éclairées par cette faille de lumière. Voilà le mur de soutènement. Et à l'étage, les cloisons entre section et distribution et circulation sont vitrées pour que, qu'on soit le matin ou l'après-midi, il y ait toujours beaucoup de lumière qui rentre dans les sections. Et puis aussi pour que dans n'importe quel point du bâtiment, on puisse voir la presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat au fond et ce paysage qui est vraiment très, très beau. Voilà, ce qu'on a essayé de faire sur ce projet, c'était une école du Sud, une école en plein air, on pourrait dire, une école pleine d'espace, pleine de lumière et pleine de vue. Alors de vue, il va en être question aussi ici, on est toujours à Villefranche-sur-Mer, donc un petit peu plus bas, un peu plus proche de l'eau, toujours dans un très beau site, hein, qui est habité aussi encore les mêmes infrastructures, hein, la basse corniche qui met à nu là, ces falaises, ces rochers, et puis ces grands bâtiments linéaires qui étaient auparavant des prisons, qui ont été transformés en universités. En fait, c'est une antenne de l'université Pierre et Marie Curie qui est là. Et donc nous, le concours qu'on a gagné il y a 4 ans déjà, c'était donc pour un centre d'hébergement pour ces chercheurs. Voilà le bâtiment donc, qu'on a posé en bas de la pente, en continuité de toutes les constructions. Et donc le premier geste, c'est de creuser le terrain, de venir se lever. Donc on a travaillé cette figure de l'équerre qui vient s'ancrer dans le terrain, un petit peu comme un contrefort qui s'enroule autour du patio avec un bassin ici qui vient le délimiter. Voilà cette fondation encore surélevée sur laquelle vient se poser une équerre inversée. Donc qui contient deux niveaux d'hébergement et qui est un véritable pont habité. Donc on passe une trentaine de mètres pour, depuis le patio, cadrer la vue vers la presqu'île et refermer, se poser sur cet espace extérieur. Voilà le plan au niveau du patio avec le bassin qui vient le fermer et le bâtiment pont qui passe entre ces deux piles. Alors on s'est encore une fois posé la question d'un bâtiment durable du Sud et du confort d'été, puisque c'est ça vraiment la contrainte dans le Sud, c'est qu'il fait chaud. Donc on a travaillé ces chambres qui sont toutes traversantes avec une coursive qui vient les desservir sur la façade arrière, avec ce bâtiment pont qui porte ombre sur le patio, qui est un vrai générateur d'ombre pour le patio. Le patio qui est aussi rafraîchi par un petit bassin d'eau qui est ici. Ici, on a les salles communes qui bénéficient d'une ventilation naturelle et traversante. Voilà la façade arrière. La question qu'on s'est posée vraiment quand on a attaqué ce concours, c'était comment dans un tel site avec une vue aussi belle, comment quand même proposer une intériorité, un lieu de rencontre pour les chercheurs. Et donc on a décidé de revisiter cette figure du cloître, un petit peu comme à Saclay, sauf que cette fois le cloître il est en trois dimensions. Et c'était important pour nous de pouvoir faire cette mise à distance entre la pente et la façade arrière pour proposer non pas juste une fente de lumière, mais un véritable espace pour les usagers. Parce que bien entendu, on a eu l'idée, quand on a démarré le concours, de faire une figure de résidence de vacances, par exemple, avec des terrasses, des hébergements en terrasse qui s'implanteraient devant la vue. Mais pour nous, là, la question, c'était vraiment d'essayer de créer ce lieu de rencontre, cette intériorité. Mais bon, on n'échappe pas à la vue, et donc voilà ce bâtiment pont qui cadre sur la presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Alors en 2005,
on réfléchit sur un centre médico-social à Gilette. Alors, c'est quoi un centre médico-social ? C'est un petit programme désiré par la communauté des communes pour préserver des services de proximité dans les villages. Il s'agit de programmes simples, cabinets médicaux, des bureaux, salles de fête. Un tout petit programme, modeste, mais vertueux. Voilà Gilette. Donc, on est à vol d'oiseau, on n'est pas très loin de Nice. Et pourtant, pour avoir fait la route ensemble, la topographie, le paysage, l'accès, fait en sorte que quand on est à Gilette, effectivement, on se sent ailleurs. On se sent déconnecté, on se sent assez loin de tout. Voici l'emplacement, le tout petit emplacement qui était prévu par la maîtrise d'ouvrage pour inscrire cette construction. Alors, toujours pareil, dans des situations de concours, on se fait des scénarios. Mais comment intervenir là, dans un paysage qui nous paraissait mêlé, les façades, le sol, le socle, les murs habités, c'était un équilibre qui ne demandait qu'à rester intact. Alors bien sûr, on aurait pu avoir des postures un peu caricaturaux, s'imaginer, pour gagner bien sûr, pasticher par l'architecture une construction existante, ou bien y aller, quitte à se faire dégager bien sûr, avec une construction moderne, mais qui nous paraissait quand même extrêmement anecdotique et exogène, presque un peu ridicule. Donc on a pris le risque et on a fait un petit pas de côté, ici, où il y avait un petit peu un stationnement un peu sauvage qui s'installait. C'est la seconde entrée du village qui est installé comme ça sur une crête. C'est la seconde entrée au village, pardon. Et donc on a fait ce petit pas de côté, on a changé de site, et on est allé s'enterrer là pour créer une seconde entrée au village de Gilette. Voilà. Et par cet enterrement, par cet effacement, voilà, on est arrivé peut-être à coaguler avec, les murs, avec le soutènement, avec le socle. On a fait des murs habités et une entrée au village. Et notre... Pardon ? Oui, c'est creusé. Et notre seule ambition, c'était d'offrir un belvédère sur le paysage. Alors, d'un belvédère, on va vers d'autres belvédères. Là, on est dans un autre lieu. On est dans les hauteurs des montagnes qui longent la mer Caspienne. C'est Massoulé, donc un village en Iran. Puisqu'on parle de sol, voilà, chacun se réfère à son sol. Mais ce qui était intéressant dans cette image et dans cette référence, c'est que les hommes, pour arriver au paysage, ils sont toujours obligés de l'ouvrir par des chemins. Et les dispositifs sont tous les mêmes. Alors, en français, on appelle ça des calades, des restanques, des belvédères, des corniches. Mais
il y a toujours une négociation dans les paysages à forte topographie. Et cette négociation, c'est un rapport, c'est une négociation un peu incessante. Il y a un rapport de l'homme avec le sol et le territoire qui devient intime, qui est fort. Et c'est ni un refus, un consentement. C'est un refus et un consentement à la fois. Un peu comme un roman de Jane Austen. Et de ce dialogue extrêmement ténu, naît un langage qui est commun. La pente rassemble des territoires lointains parce qu'il y a un langage commun, qu'on soit dans des positions telluriques ou bien dans des situations troglodytes. Il y a toujours un effort qui fait que ces paysages se ressemblent. Alors, c'est vrai que nous, dans notre travail, on arrivait à ces rêves verticales où on peut se promener sur les toits, où l'espace public, l'espace privé se mélangent, où on a un rapport avec l'horizon et avec la montagne inédite, privilégiée, exceptionnelle. Et puis, il faut profiter peut-être de la pente pour vivre autrement. Alors c'est vrai, on a beaucoup, beaucoup rêvé. Tout à l'heure, Marc parlait des palaces qui se posaient sur les points culminants du territoire de la Côte d'Azur. Et c'est vrai qu'entre-temps, la seconde vague de villégiature les a rattrapés. Ce sont devenus des zones résidentielles, privées, des logements pour vacanciers. Et ces logements pour vacanciers ont fait que pendant longtemps, c'est vrai, c'était des lieux qui devenaient un peu hors saison pendant une partie de l'année. Et puis, les mentalités ont changé, et puis aussi il y a d'autres choses qui ont changé, peut-être le coût d'habiter en ville, etc. Donc ce sont des quartiers qui sont devenus plus axés sur des logements pour actifs. Et pour des questions aussi de déplacement sans cesse de la colline à la plaine, c'est vrai qu'ils sont en manque de centralité, d'équipement. Il y a eu un manque de politique foncière sur la pente. Alors, pour nous, l'enjeu à travers certains projets, ça a été de se poser la question de comment équiper la pente. Alors, on a eu affaire au groupe scolaire de Beausoleil. Je ne me souviens plus quelle est la date de... Tant pis. 2008. Voilà, je ne me souviens plus. Alors, voilà, donc... Le site, le terrain dans lequel, notre terrain, le terrain du concours dans lequel allait se faire le groupe scolaire de Beausoleil. On aurait pu mettre une pancarte sur un terrain comme ça, avec marqué dessus « Belle exposition sud, vue mer ». Voilà, un excellent slogan pour agence immobilière. Et c'est vrai que c'est un site extrêmement privilégié, puisque c'est quand même... pris entre la corniche qui relie Nice à Menton et aussi l'accès de la bretelle qui amène de Beausoleil jusqu'à Monaco. Donc le changement de municipalité à l'époque à Beausoleil a fait qu'il y avait une volonté forte de dire quelque chose par rapport à ça, puisqu'ils ont tenu bon et ont préempté le terrain pour en faire un équipement public, une école. Et le terrain était déjà excavé. Alors, il était excavé parce qu'il y avait déjà une opération immobilière dessus et le promoteur est en fuite. Voilà, le terrain vu du haut. Bon, des qualités indéniables de vue, de lumière. Mais il y a quand même un dénivelé de 15 mètres et on est enclavé derrière cette haute construction en chandelle, plutôt, qui enclave l'accès au site. Alors voilà, ici c'est Monaco, nous sommes à Beausoleil. C'était un peu notre laboratoire, hein. On ne sait pas pourquoi, mais voilà.
Et donc, on a eu une première intuition à cause de l'histoire de ce site qui avait été abandonné, excavé. Ça a été de penser un territoire blessé, de reconstituer la morphologie originelle du terrain, voilà, de retrouver les lignes fortes du site, les courbes de niveau. Donc le programme induisait, là c'est une maquette d'étude, mais le programme induisait, comme toujours, par une faisabilité qu'il fallait pour ce groupe scolaire qui comprenait une école maternelle, une école élémentaire et une salle de restauration et un périscolaire, de faire 3 bâtiments avec une cour commune. Et nous, on ne voulait pas faire 3 bâtiments sur lesquels on avait l'air d'avoir tapé comme sur un marteau. Donc on a proposé 3 écoles de plein pied, 3 rez-de-chaussée empilés. Alors la confrontation, c'est vrai, du programme avec le site nous a amené la question cachée. Cette fameuse question cachée, la question inattendue, c'est-à-dire grâce aux accès qui étaient exigés d'un parking pour enseignants et d'une dépose minute, on est arrivé à graffer le haut et le bas de la ville. Et on a sculpté jusqu'à trouver le projet. Bon, le principe des plans sont à peu près les mêmes, c'est-à-dire que les salles de classe sont orientées sud. Là, c'est le rez-de-chaussée où il y a l'école maternelle, l'école élémentaire, et là, la restauration et les salles d'activité du CLSH. Et la circulation est toujours au centre, mais elle se dilate, et suivant le programme, elle offre des choses différentes. Bon, on a eu un peu de chance hein, aussi, puisque là, pour l'école maternelle, cela nous a amené à créer un espace intérieur généreux pour qu'ils puissent recevoir à Noël le Père Noël, les dessins en fin d'année, et puis avoir un temps aussi, tout simplement le matin, pour accueillir les enfants. Et puis l'école élémentaire était plus... on est plus grand, donc était plus simplement organisé, avec un préau juste là, au bout. Les espaces communs, ils étaient projetés, ils étaient contre la roche, ici, qu'on venait creuser par des systèmes de patio qui amenaient de la lumière le plus loin possible à l'intérieur du projet, pour que le projet reste traversant. Voilà les patios. Ici, c'est ma fille. Un de nos meilleurs mannequins. Voilà. Donc, ces patios qui ont permis de créer d'autres espaces extérieurs. Un rapport avec le sol extrêmement vertical. Et puis la matérialité, béton éclaté, béton bouchardé qui rentre en résonance avec ces parois qui sont des roches calcaires. Voilà, le béton éclaté a exigé un travail très spécifique à l'entreprise. Mais quand ils ont attaqué ce béton au marteau-piqueur, bon, au début, ils ont essayé de négocier d'avoir le moins de surface possible, mais à la fin, ils étaient contents de faire ce travail parce qu'ils pouvaient faire un peu ce qu'ils voulaient. Ils avaient presque une situation de sculpteur, un rapport de sculpture avec le bâtiment. Donc voilà, juste pour montrer que c'était excavé et on a continué à excaver. Les dalles qui sont le ruban qui tiennent le projet sont épaisses parce qu'elles sont fortes de poutres, parce que la structure exigeait cela, puisque l'ensemble du projet était détramé.
alors il se projette vers l'horizon, vers la vue et les filets ici en inox. C'est un peu à l'image des filets qu'on trouvait sur des restanques en Italie. Voilà. Aussi en contre-jour, la vue passe grâce à leur finesse. Puis le paysage entre toujours assez généreusement. Qu'est-ce que j'ai fait ? Assez généreusement, donc à l'intérieur des salles de classe. Puis les enfants peuvent, d'une unité à l'autre, dialoguer, discuter, se dire bonjour entre frères et sœurs. C'est un ruban qui se déplie. Et puis une servitude de la corniche nous a aidés aussi à faire suivre la topographie du site. Pardon. Et donc, cette dalle se plie et puis s'ouvre comme un éventail, il s'ancre. Là, c'est depuis le village de la Turbie, il s'ancre. Et puis, depuis le bas, il disparaît. Seule une émergence ici, qui est un noyau servant et technique, émerge. Voilà. C'est une analogie un petit peu aux villas voisines sur un sol, une topographie artificielle. Alors, donc, bon, le temps passe, mais voilà, je vais vous présenter deux projets. Donc, un projet en étude, c'est un futsal dans le quartier de l'Ariane, qui est le quartier nord de la ville de Nice, un peu un quartier chaud, voilà, qui se trouve en fait proche du fleuve le Paillon, en continuité donc d'un parking, une espèce de délaissé, et proche du fleuve. Alors ce fleuve, habituellement c'est plutôt un fleuve de cailloux. Voilà, une sorte de délaissé, délaissé perpétuel, mais qui a des qualités paysagères intéressantes, et puis voilà, qui est poétique, on a trouvé. Donc, hormis la question paysagère, il y avait une question programmatique, là aussi une question cachée, puisque Bita en parlait tout à l'heure des questions cachées, c'est-à-dire que c'était un concours où le libellé du programme disait vous avez affaire à un futsal, donc qui est une salle pour le football en salle, hein, avec un ballon plus petit et on ne met pas de crampons. Mais peut-être en cours d'études, eh bien, vous aurez à faire un gymnase multisport qui est beaucoup plus grand. Donc on s'est dit que cette indétermination pouvait être une clé d'entrée pour nous assez précieuse au projet. Puisque passer du futsal au gymnase, c'était pour nous l'impossibilité de le mettre de manière transversale. Hein, et pour ce qui nous paraissait intéressant, c'est de servir de l'équipement comme limite et pour créer cette relation entre le fleuve et la ville et le boulevard. Partant de là, puisqu'il fallait absolument qu'on conserve notre implantation perpendiculaire, donc donc on s'est dit qu'on allait eh bien d'abord effectivement enterrer ce futsal pour le mettre en relation avec le fleuve, pour qu'on puisse jouer et voir la rivière et ses méandres, et puis donc l'encastrer dans le terrain, et donc en fait proposer de mettre tout simplement un terrain extérieur au-dessus en payant peut-être un peu plus cher, et voilà, être sûr comme ça, ça bougerait pas. Donc on l'a gagné. Voilà donc le plan au niveau du fleuve, avec la salle, les vestiaires, et qui s'ouvre vers le fleuve, vers le Paillon. Le niveau intermédiaire, avec le parvis d'entrée au niveau de la ville, qui dessert des bureaux et puis les gradins. Et puis le terrain qui est la toiture.
Alors, ce qui était intéressant dans ce travail en coupe, là aussi, où faire circuler l'air et la lumière hein, dessous et puis dessus, c'était de dire qu'on allait mettre en place des dispositifs de ventilation naturelle, d'avoir des lumières directes depuis la ville et puis depuis le fleuve, et donc travailler une structure pour ce plateau. La coupe dans l'autre sens qui montre un peu le dispositif, donc des gradins de chaque côté, et c'est les gradins principaux ici ne seront pas en contre-jour, enfin ils n'auront pas de vue, les joueurs ne seront pas en contre-jour parce qu'on met en place un dispositif de verrière et d'éclairage zénithal indirect. Voilà, donc ça donne un projet avec un dispositif naturel de protection d'un parvis d'entrée sur le boulevard. Dans ce quartier un peu violent, on est parti sur des principes d'avoir très peu de détails, donc du béton, des doubles voiles là aussi isolées en sandwich, et puis un peu de serrurerie, et la lumière qui vient de la ville ou du fleuve, la lumière directe. Et en face, une lumière beaucoup plus tamisée. Voilà donc, l'idée c'était de recréer un petit temple du sport qui puisse à un moment être un lieu de communion de tous ces gens de cette communauté qui habite à l'Ariane et qui vont profiter de cet équipement qui est un équipement en rue. On a profité aussi de ce mur qui donne sur les berges pour se raccorder, un vieux mur ici, on vient se raccorder et on essaie de redonner à l'Ariane un accès aux berges du Paillon. Alors pas très loin de là, donc puisque l'Ariane est ici, la Trinité est là, donc ce qui était intéressant aussi c'était de pouvoir... Alors je ne l'ai pas dit, mais le projet précédent, donc le chantier va bientôt débuter. Alors que là, donc on va, pour finir, vous parler du pôle Petite Enfance de la Trinité qui a été achevé déjà il y a 2 ans. Et qui a, donc on voit ici sa parcelle, qui a pour caractéristique d'être donc sous une colline où se trouve un cimetière, en face d'une médiathèque, et puis prise aussi dans ce trident avec un centre commercial, qui le carrefour, qui est quand même le vrai centre-ville de la Trinité. Alors, on parlait tout à l'heure d'occasion et de prise de position, d'actes politiques à l'échelle d'une commune qui sont forts et qui modifient finalement le destin d'un projet ou d'un concours. Et bien là, en l'occurrence, une des élues souhaitait véritablement faire en sorte qu'on conserve le jardin qui se trouve ici. C'est une dent creuse avec à l'intérieur une villa niçoise. Au lieu de venir refermer l'alignement urbain et donc finalement couper, ce qui est intéressant d'ailleurs dans ces vallées, c'est-à-dire d'avoir des vues transversales, là on a eu la chance de pouvoir conserver le vieux jardin et la transversalité de la vue. Donc des petites restanques, sous une route. Alors, c'est un projet qu'on a déjà, qui a déjà été un peu vu et peut-être revu, mais ça fait plaisir d'en reparler et de dire que aussi une des questions cachées du concours, c'était peut-être de profiter de cet équipement, de ce petit équipement a priori modeste en fond de jardin, pour recréer une suture dans la ville, pour recréer un cheminement. Et donc c'est ce que nous avons fait en recréant un espace public entre le boulevard, le jardin, l'équipement et puis cette voie qui est en haut, qui relie la ville haute. Donc ce cheminement public a été une sorte de générateur urbain pour redonner une nouvelle géographie sociale aussi à ce lieu. Et ce bâtiment donc
qui s'installe, il donne sa règle. On parlait, vous avez vu tout à l'heure le projet de Villefranche qui, d'une certaine manière, subissait la contrainte et essayait et réussit, je pense, de s'en échapper par la structure et par notamment effectivement oui par la structure. Et bien là, le bâtiment donne la règle géométrique. Alors donc c'était un peu le même scénario, un scénario connu et que l'on aimait parce que ça posait la question de l'accès, là aussi, de la toiture. Et nous avons donc disposé les voitures sur la dalle de toit et profité de ce cheminement pour refaire découvrir finalement ce quartier de la Trinité en ménageant donc des vues sur les avoisinants, sur le clocher, donc des vues latérales. On voit ici les véhicules qui se garent sur le toit. Et puis des vues vers le relief, vers les vallées, qui est peut-être pas la vue habituelle de la Côte d'Azur, mais voilà, qui méritait d'être mise en scène. Contre-champ vers la colline. Et puis vous voyez ces escaliers un peu en surnombre, ces petits escaliers en redans qui viennent un peu en référence avec les jardins de la Côte d'Azur, comme le jardin des Colombières ou le jardin des Serres de la Madone à Menton, qui sont ces lieux poétiques. Et bien là, c'était retrouver finalement avec ce jardin un lien poétique et doux. Voilà, donc le protocole habituel, pour nous, c'est d'excaver et puis soutenir. Et implanter donc ces dalles comme ces plateaux, comme à la fois des plateaux programmatiques, mais aussi des niveaux de référence qui définissent le niveau de la future cour et puis le raccord avec la voie plus haut, tout en restant un peu plus bas pour laisser filer la vue. Et après, venir ancrer les principes circulatoires, les verticaux. Voilà, donc ce projet, il s'installe comme un pied de colline. On a fait ici cette maquette qui est comme une tranche qui résume de manière étonnante la situation géographique, urbaine et paysagère. Donc, ce bâtiment, il, d'une certaine manière, il n'avait pas vocation forcément d'architecture, mais plutôt d'apparaître comme un bâtiment paysage, comme une sorte de mur du fond, de toile de fond à cette villa qui fait que aujourd'hui, finalement, la vraie façade du projet, c'est peut-être la petite villa. Et le bâtiment s'efface et vient dialoguer plutôt avec les strates, les murs de soutènement à l'arrière du cimetière. On y accède par le côté, ce qui... cette dissymétrie lui apporte finalement, ou l'enlève plutôt, peut-être une composition qui pouvait être figée et créer un effet cinétique. On accède donc par ce parvis intermédiaire, ce seuil, c'est une succession de seuils qui après se prolonge à l'intérieur de l'équipement. Et de la même manière que l'espace public se prolonge, la matérialité extérieure aussi se prolonge à l'intérieur, donc ce béton, il va à l'intérieur. Voilà les deux plans, et simplement pour dire que la question structurelle, elle est toujours présente dans tous les travaux d'architectes, et puis mais particulièrement dans le nôtre, où on se posait la question de comment tenir, comment exprimer le fait de porter. Et bien là, ce sont des noyaux servants qui sont habités par... les dortoirs, les sanitaires, des rangements, qui viennent délimiter les sections. Et donc là, c'est le niveau d'accès, là, c'est le niveau de la cour. Et donc, il n'y a pas de poteau, c'est simplement, donc, toute la structure se fait espace. Voilà, donc, ce principe qui rappelle le projet de Beausoleil, qui était une sorte aussi, de poursuite, de continuité naturelle, ménage des plateaux, des dalles, là aussi, épais, qui contiennent toutes les questions liées à la technique, et qui se projettent en façade. Et aussi, donc, ce vide à l'arrière qui met en scène la question du soutènement
par une sorte d'atrium, de galerie. Voilà l'expression de cette école, de cette crèche, pardon, où les noyaux définissent des espaces. Et c'est un projet donc qui n'annonce pas ce qu'il dit, ce qu'il est, qui ne dit pas ce qu'il est. Simplement, un peu de serrurerie qui vient là aussi évoquer comme une clôture sur des restants ou des métaphores de courbes de niveau. On va dire que pour nous l'architecture, elle ne doit pas parler à la place des gens, à la place des hommes. Et au contraire, se mettre au service des gens, c'est laisser la possibilité finalement à un bâtiment d'évoluer et de se transformer en étant peu signifiant. L'espace arrière, avec cette paroi, avec une matière de béton de planche, des bancs qui sont coulés en place, et puis les jardinières qui poursuivent les plateaux viennent butonner la paroi. Donc il y a une économie de moyens et tout a une double fonction. Et donc c'était là aussi peut-être une sorte de rappel ou modestement de leçon qu'on avait reçue de ce Riviera Palace dont a parlé Marc tout à l'heure, qui fait que l'arrière, tout d'un coup, retrouve une valeur particulière, quasiment plus intéressante que la façade principale. C'est un projet dispositif où la question de la ventilation naturelle, de la lumière, de tout système de filtres qu'on pouvait mettre en place pour, là aussi, parler de projets du Sud, d'équipements du Sud, eh bien, se traduit par exemple là par ces principes de volet qui à la fois désenfume cet espace d'atrium mais aussi évacue l'air chaud. Ça c'est en partie haute, en partie basse ici, dans les ensembles vitrés, des petites parties pivotes et puis aussi des grands coulissants, des sections participent à ça. Voilà donc. Je m'appesantis un peu sur cet espace-là, qui était un des espaces majeurs du projet, qui n'était même pas dans le concours, qui était finalement une proposition complémentaire qu'on a fait, qui travaillait une double échelle intéressante pour l'accueil des enfants le matin, pour créer des sous-espaces. Et puis, là, voilà, donc année de parfait achèvement, et le maître d'ouvrage demande à modifier le projet. Donc, crise. Et puis finalement, pas le choix, donc on décide d'implanter les bureaux qui leur manquaient, puisque visiblement leur programme avait évolué ou ils n'avaient pas su le définir, sur ces défuntes jardinières. Et donc on met un principe de sorte de meuble-espace posé. Alors c'était intéressant, même si c'était extrêmement agaçant sur le moment, c'était de se dire que un projet en temps réel, on voyait qu'il pouvait accepter la modification et que finalement la structure parfois présente, très présente de ce projet, était quand même un générateur et de modification dans le temps. Rapidement, je vais passer donc sur ces espaces, sections petits, moyens et grands qui bénéficient d'un dispositif de parois vitrées coulissantes qui disparaissent dans les murs. Donc, un dispositif qu'on avait déjà testé auparavant et puis donc qui un peu rappelle les villas ou les immeubles balnéaires qui ont des coulissants. Donc, travailler sur cet archétype et de pouvoir démultiplier lorsqu'il fait bon l'espace intérieur. Après, on peut aller jouer dehors. De la même manière, donc, on avait... On a dû insérer ces nouveaux aménagements. Il y avait des aménagements d'origine comme ce bloc de change en bois. Là aussi, une sorte entre le meuble et l'aménagement définitif. Et puis les dortoirs avec un système d'occultation, demi-occultation, comme les boxes à chevaux pour les petits poulains. Donc, ces horizontales, on a des faux plafonds très discrets, monolithiques et acoustiques, et qui se projettent en façade pour protéger du soleil, mais aussi, d'une certaine manière, protéger
de la vue et de la présence parfois un peu écrasante des mitoyens et des immeubles aux alentours. Et mon tout donc est un voilà, et ce projet. Mais pour finir, je voudrais dire que tout ça n'a été possible que par le fait que nous-mêmes, notre collaborateur aussi qui était extrêmement investi sur ce projet, Giancarlo, et l'entreprise avons eu un rapport privilégié. C'est-à-dire qu'on a, on peut dire, vécu une aventure humaine, et ce n'était pas évident pour cette entreprise qui n'avait jamais fait de béton brut, qui n'avait peut-être pas non plus mesuré au départ la complexité de cet ouvrage. Et on a pu donc, pas à pas, ensemble, alors on va dire main dans la main, mais c'est une réalité, aller jusqu'au bout, voilà, dans un esprit à la fois de respect, mais aussi voilà, de transgression des règles. Et voilà, et d'exploration. Et pour finir, donc nous allons vous présenter, parce qu'il se fait tard, un film qui a été réalisé donc par Aldo Amoretti, notre photographe qui avait d'ailleurs suivi ce chantier pendant sa construction, voilà, qui servira, je pense, qui fera office de conclusion. Merci.